nous sommes ici pour mettre en avant ces artisans que je vais nommer. Dans la catégorie métier de bouche, je voudrais donc appeler Monsieur Franck Pucetti, le chef Riviera traiteur de Grasse. Alors, il propose un service personnalisé donc, au sein de ce festival qui demande justement cette particularité, ce surmesure. Dans la catégorie photographie et images, donc Frédéric Ingenbert, ensemble, calme. Photographe depuis 25 ans, fait ses études à la prestigieuse école Louis Lumière de Paris. Alors, c'est un photographe, il est parmi les photographes, et j'imagine qu'il doit avoir l'œil versé à autant de belles photos réalisées pendant ce festival. Je vais continuer ce soir, j'enchaîne avec. Formidable. Dans la catégorie coiffure et maquillage, Frédéric Brazard, qui est meilleur ouvrier de France, arrière petit-fils d'artisan coiffeur, c'est la cinquième génération. Encore une personnalité de cadre, je voudrais appeler Aline Buffet, costumière au cinéma, créatrice de mode depuis 1994. Voilà, elle exerce son talent du festival de Cannes. Tout à l'heure, on parlait de Sophie Marceau, on parlait de toutes les créations qu'elle a réalisées juste pour ce festival. C'est assez, absolument extraordinaire. On va continuer avec la catégorie production et graphisme. Et je voudrais appeler Stéphanie Berthaud de Cyclone Création. La disponibilité constante, même la nuit, c'est ce qu'on me dit. Hein. C'est ce qu'on voilà, c'est sans arrêt, pas sans besoin. Allez, dans la catégorie art et accessoires, voici Mouna Marinissage, donc de Bed of Aquarius. Donc bravo. Donc là aussi, plein de manifestations. Puis avec ses bijoux. Il n'y a pas que les grands couturiers. Encore que, vous savez, Dior, Chanel, etc., étaient d'anciens artisans. Hein, c'est dans la catégorie des services maintenant. Nous avons Monsieur Sandberg. Donc là encore, du sur-mesure, les fleurs, c'est quelque chose d'extrêmement important hein, pour la décoration, pour un tas de choses, pour des attentions à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. On est fiers de notre vie, non pas, c'est pas de la réalité, c'est on est fiers de travailler pour défendre un territoire qui, au sein des Alpes-Maritimes, qui est le plus beau département du monde, peut faire rayonner la France et sortir des clichés habituels. La France, c'est leur vie qui rebondira le jour où nous aurons un système fiscal et social raisonnable. Nous avons tous les talents chez nous. Il y a un talent, il y a un esprit français, une French touch qui est absolument particulière. Je souhaite une longue vie à l'artisanat. Je vous dis, pour conclure, à l'instant de la conclusion, à l'homme qui est même.